Bah, les ambitions sur la Route du Rhum, c'est assez clair. Essayer de gagner. Je sais que ça va être dur parce que la concurrence en ultime, elle est assez extraordinaire. C'est la première fois qu'il y a tous ces grands bateaux qui volent. Eh bien, toutes nos voiles sont des voiles fabriquées par North Sails en 3DI. C'est vrai qu'on a modifié pas mal de voiles pour au retour du Tour du Monde. Les voiles étaient ceci dit en super bon état, mais on a beaucoup fait évoluer le bateau, on a mis des foils, donc le bateau va plus vite. Et on a adapté les voiles en fonction des nouvelles performances du bateau. Et ben, je travaille avec North depuis maintenant quasiment 10 ans, un petit peu moins. Je commence à travailler avec North quand je suis passé en IMOCA, quand j'ai préparé le Vendée Globe 2012. En partie parce qu'ils avaient développé une membrane, un tissu, qui avait à l'époque vraiment mais aucune concurrence. Il y avait vraiment une avance, ils avaient énormément investi en recherche et développement pour arriver à un tissu qui était résistant, léger, solide. Et derrière, ils avaient une équipe à Vannes chez North Sail France qui était super performante avec des gens qui m'avaient accompagné auparavant d'ailleurs en Figaro. Que bonne raison pour travailler avec eux, et c'est important de créer une proximité entre l'équipe, le design team, les architectes, la voilerie. Voilà, c'est un travail d'équipe pour faire en sorte que le bateau dans la globalité avance vite, et c'est ce qu'on fait avec North depuis maintenant longtemps, pas mal d'années, et on en est ravis.